C'est l'une des sorties les plus attendues d'août 2000. Pour finir ce mois, comme il se doit, Netflix donnera le coup d'envoi de 30 états. De ces séries prises de vue réelles, One Piece inspirées des mangas les plus vendus de l'histoire. Côté synopsis, Netflix annonce ainsi conquêté. Luffy est un jeune aventurier qui a toujours rêvé d'une vie de liberté. Le top des séries les plus chères de l'histoire pour adapter ce manga signé Eiichiro Oda. Netflix a mis le petit blotter et grimpe la main au portefeuille. Comme le précise Collide, la plateforme américaine aurait ainsi dépensé plus de 144 millions de dollars. Soit 18 millions de dollars par épisode, rien que ça. Un chiffre fou qui pourrait faire du manga live action l'une des séries les plus chères de l'histoire. Nos confrères américains rappellent ainsi que celui est plus important que ce donne à Sandman, Netflix, Utsi, Apple TV, Game of Jones, HBD, ce Mandalorian Disney qui ont coûté des bagatelles de 15 millions de dollars par épisode. En haut du tableau des séries les plus chères figure le Seigneur des Anneaux, les Anneaux 2. Pouvoir prime vidéo qui totalise plus de 58 millions de dollars par épisode, un record absolu. Le reste du podium mis en avant par Collider rassemble Stranger Things, Netflix et WandaVision. Disney avec respectivement 30 et 25 millions de dollars par épisode. The Pacific HP plus of Dragon HP sont 20 millions par épisode. Lire également Netflix et toutes les nouveautés d'août 2000 Photoclare Colony.